Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bien dans ce nouvel épisode de Fallout 4, donc on reprend notre session, on refait une nouvelle session tout simplement. Si les Pip-Boy pour capter différentes stations, radio, si vous les refermez alors qu'une question continuera jusqu'à ce que vous accédiez à de nouveaux Pip-Boy, éteignez la fréquence en question. D'accord, oui ça j'ai bien compris. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire dans cette session. Peut-être qu'on va reprendre un petit peu l'aventure, entre guillemets, en recherche, comme on avait fait la dernière fois avec Jamaica Plain. On va peut-être explorer, j'ai envie d'explorer un petit peu la zone autour de Good Neighbor, tout ça, enfin... Vous voyez la zone à peu près, on va dire, hop, 315 sur 315, j'ai du boulot de rangement, t'es sérieux? Donc la zone à peu près, on va dire, par là. On voit qu'il y a plein de choses à voir, donc on est allé jusque là, ça servait pas à grand chose. Hop, par contre j'ai du bordel sur moi à chier. Ça m'étonne. Voilà. Ok. Ah oui, ça. Alors ça, je vais le ranger, parce qu'il pèse lourd, il fait pas grand-chose. Insecticide raid, d'accord. Lance-missile, pourquoi pas. Ah oui, lance-missile anti-goule, alors ça, on verra ça. Hop. Cloneur de balles, c'est parfait. Pistogel, on garde. Sulfateuse. Sulfateuse, c'est bien l'explosif, on est d'accord. Oui, c'est ça. Ok. Pas grave. Ah oui, les mods. Alors ça, par contre, je les range. Alors, il va falloir que je revoie les mods, parce qu'apparemment, il y a un mode pour humain. Module de... Bon, non, c'est bon. Module de mort en métal affermi. What? Ok. Bon, on n'est pas trop mal. Ça, c'est Nick. Salut, Nick. Échange-moi des trucs. Je récupère ça, ça. La mitraillette, je te la laisse. Le fusil à plasma, je te le laisse. Une carabine de combat, je te la prends. Ça, je te le laisse. Ça, je te le laisse. Les armures, je vais te les prendre. Pareil pour Canigou. Ok. Les haltères, effectivement, les haltères de 9 kilos, je les prends. Vous devez avoir raison. Mais pour moi. Juste bon acheter. Ok. Alors. Crac. Crac, crac, crac. C'est bon. Et les haltères de 9 kilos. Voilà. Parfait. Pourquoi je récupère pas ce que j'avais tout à l'heure en poids? Merde. Ah oui, j'avais les gants de boxe aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Un instant. Alors maintenant, je vais refaire le... Je vais faire en fait... Je vais tout ça, puis on verra bien. Heureux, chers amis, alors, ça devrait être bon. Normalement, on est bon. J'ai réussi à récupérer la place qui me manquait. Vous voyez, je suis à 247. Carte. Ce qu'on peut faire, ce que j'aimerais faire... Ce serait partir de là et faire de la recherche. Faire de la recherche et finaliser un petit peu l'espèce d'île qui est autour de Good Neighbor et de Diamond City. Diamond City. Hop, ça pourrait être intéressant. Chaque numéro d'armée bonus a un numéro d'aptitude de tir d'aide qui augmente légèrement les dégâts critiques. Oui, mais alors ça encore, ça pourrait être intéressant uniquement si les dégâts critiques étaient potentiels en dehors. En dehors des comment des SVAV. C'est ça, y'a rien. What? Eh, mais il m'attaque, il a deux têtes. Dégage! Non mais lol. Alors, par où faudrait qu'on aille? Bah on va visiter un petit peu tous les endroits là. Hein. Un truc bizarre par là.
censé avoir tout visité pourtant. Pourquoi celui-là il y est pas? Bon, ça va être pas important. On va garder. Il est long à changer d'arme, c'est saoulant. Ouh là là. Ouais, par là je suis coincé. Dites, vous pouvez faire le gain une minute. Faut que je lance un diagnostic. Ah, vas-y. Ouh, merci. J'ai raté quelque chose? Qui est là? C'est déjà fait cela, non? Hein? Y a plus rien. Ah oui, y a plus rien, vas-y. Mais oui, j'ai déjà fait tout ça. Ah, y a des choses qui apparaissent sur la map, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Oui, effectivement, je m'étais arrêté là. Ça y est, je me souviens. Radio Trinity. Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide. Ouais. Mais encore. J'aurais peut-être dû prendre une armure assistée. Hein. Ça, j'aime pas. La vie d'un détective n'a rien de facile, mais elle manque pas d'intensité. Bon. Ah, la fameuse grande tour. Exact. Je voulais aller voir ce que ça donnait. Et c'est là qu'on a battu les mecs, en fait, avec les écorcheurs de l'autre côté. Exact, exact. La fameuse grande tour. Oh putain. Ciao. Pourquoi ils ont toutes des noms? Bon sang. Oh, merde. Pourquoi ils ont toutes des noms? Mademoiselle Rosa, Mademoiselle Parker, Mademoiselle Sumner. Le Commonwealth peut vraiment vous secouer le cocotier si vous laissez faire. Je l'ai vu transformer des hommes en monstres. Alors. On a vu quelqu'un là-bas. Des super mutants apparemment. Au pied de la tour, il y a rien dedans. Il y a quelque chose dans les parages. Au travail, quelqu'un approche. Une bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Vous croyez qu'ils sont partis pour de bon? Hop, voilà. Tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Merci. Et une porte. Est-ce qu'elle fonctionne? Telle est la question. Bâtiment professionnel de Dartmouth. Bon, on a un niveau à mettre, on va le mettre. La question est dans quoi allons-nous le mettre? ?10% de dégâts supplémentaires, ça peut être intéressant. Résistance aux dégâts de 20, ça peut être extrêmement intéressant aussi. Alors juste pour voir, ça c'est niveau 41, ça c'est niveau 33. Donc j'ai le temps entre deux. Là c'est niveau 31. Bah écoutez, on va mettre les dégâts. Hein. Hop. Il y a une caisse ici. Vous avez de drôles de goût, vous. Merci. Alors.
Voilà. Hop. Darth Mouse. Hé, je crois que j'ai vu quelque chose. Comment j'ai pu te rater, toi? Alors. Ventilateur, d'accord. On m'a dit que mes enseignes agence de détective Valentine faisaient mal aux yeux. Hop. Bah, n'empêche que rameute la clientèle. Les gens, tant que les gens ils comprennent que t'es un détective, ça suffit, hein. Des biscuits. Attends, c'est tout ce qu'il y avait? Ah non, là il y a un as. Oh non! T'es pas sérieux! Donne-le-moi! Oh merde! Pourtant j'ai de la chance! Si vous aviez des voisins comme ça, vous aussi vous construiriez des murs aussi hauts. Oui, mais enfin bon, c'est pas là la question, je voulais rentrer dans le bâtiment, moi. Alors. Il y a une autre porte, peut-être ? On va faire le tour du bâtiment, chers amis, parce que je suis intrigué. Il y a pas, ça peut pas être une aussi grande tour s'il y a rien dedans. C'est pas possible. Elle apparaît même dans les... What? Ah, il y a celle-là aussi à côté. Le Commonwealth est pas l'endroit idéal quand on voyage tout ça. Ah, il y a rien. Je suis bien content d'avoir quelqu'un. Bon, on va aller visiter l'autre, c'est pas grave. Oh putain, j'ai eu les boules. L'espace d'un instant, j'ai eu les boules. Tour Layton. Ah. Putain, j'ai paumé l'autre tour. Merde, c'était quoi ça? Fais chier, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais te faire la peau. Je crois qu'on dirait qu'on n'est pas seul. Nous embêterons plus personne maintenant. C'est quoi ça? Ça va? T'as pas le droit de crever! Hop, hop! Allons-y. Layton Towers Apartment. D'accord, c'est un quartier. Layton Towers. Tu sens ça? C'est la peur. Quelqu'un approche. La musique de l'action s'est déclenchée, cependant le l'ennemi n'est pas là. Lâche-moi ! Ça, c'était vraiment couillon. Hop, tour Layton. Faut aller là-dedans. Doucement. Pourquoi tu crois? Pourquoi elle a dit ça? T'aurais mieux fait de filer. Y a quelqu'un? Lâche-moi! T'as fait une grosse erreur, mon putain, mais il bute Canigou! Je crois qu'on n'est pas seul. Canigou, pourquoi t'es allé au contact? Je sais pas ce que c'était, mais ça a fini. Putez-les de mort! Aux derniers instants. Dégage! Épée de la guerre d'indépendance. What the fuck? Ah oui, d'accord. Oui, j'ai déjà vu. Je connais. Je te remercie. Hop. Merci pour le stream. C'est pas ma première bagarre, minable. Hop, téléphone, hop, plateau télé. Il y a quelque chose dans... Tiens, regarde qui est là. Où est-ce qu'il était celui-là? Oh, bien joué! Quand on s'en sort,
Bien joué! Ouah, comment il l'a pris par la patte, quoi! T'en as pas marre? C'est une violence! Ça y est. Alors. Peut-être prendre une autre arme. On a bien fait. La fuite est encore possible. Attention ! Espèce d'enflure ! Rends-toi ! Bonjour. Oh bah. Prévenir, éviter de nous sous-estimer. Genre, j'ai réussi à le rater de là, quoi. Ah, mais non. Aïe. Où est-ce que vous avez filé? Non, mais oh, ils vont me respecter, ceux-là, ou pas? Ok, on y va, ça va chier. Je suis pas là pour rigoler, moi, monsieur. Messieurs, dames. On va t'en sortir, hein? D'accord. Je vois le genre. Bordel, j'ai besoin de tirs de soutien. Mais tu parles, c'est qu'un chien, mais du gland. Pourquoi con. Vous jouez tous les héros? C'est un jouet. C'est quoi ça? Putain, m'a fait mal. Toi, tu vas te faire éclater la gueule. C'est tout. À terre, à terre. Non, ma tête. Putain, ils font mal. Nom de Dieu. Soin. De l'eau purifiée et infofilée. Au niveau de l'armement. Tiens. On m'avait déjà dit que c'était trop. C'est fini pour toi. Est-ce que c'est toujours de trop, chers amis? Le ménage est fait. Lâchez-moi les basques. Ah putain, ça descend vite les balles. Fusil à plasma. Tiens donc. Ça, ça peut être intéressant. Bon, on reprend le fusil d'assaut. Alors on joue la fille de l'air. Vous savez quoi, ça sert à rien de se coucher. Allez, c'est terminé. Ils ont dû foutre le camp. Je peux te détendre. Je me détendrai quand je voudrais bien me détendre. Pigé. Le mec a envie de piner. C'est pour ça que je suis toujours en vie. Et comme je dois compter sur une andouille comme toi pour... Ah bah alors miches, faut bien que je fasse gaffe à toi aussi. Alors maintenant, ferme-la et... Moi, je veux la fin de l'histoire, hein. Je veux savoir si elle finit par se la faire. Putain. Donc c'est vous qui le portez. Fusée miniature, d'accord, ok, je comprends. Merde, c'était quoi ça? Ça, c'était rien, un courant d'air, comme dirait l'autre. Le réveil, je prends. C'est que dalle. Ok. La céramique. Ici. Hop, deux steam packs. Vu le nombre que j'ai utilisé en bas, c'est utile. Là, hop. Intéressant. Ils ont pété le bouton. Qu'est-ce qu'il y avait par là? D'accord, c'est bouché. Là, il y a une sortie. Hop. Ils m'attendent, il n'y a plus de bruit. Soyons honnêtes, ils m'attendent. Alors.
Crac. Joli. Petit. Petit. Venez voir papa. C'est quoi ce bordel? Je vais te faire la peau. Abattu. Qu'est-ce que... Ah non, c'est rien. Bidon d'huile. Boîte de drogue. Ah blanc. Parfait. Ouais. J'ai l'impression d'entendre des pas tout le temps en ce moment. Ok. Progresse. On joue à cache-cache. Oula. T'aurais mieux fait de filer. Et sans transpirer une goutte. Ok. Remarquez, c'est pas comme si c'était. Au suivant. C'est bon, y'a plus personne. Hop. Qu'est-ce qu'on a par là? Une canette. Excusez-moi. Oh là. Petite voiture. Ok. Petite voiture et un hocher. Encore un camion miniature. Back Bay. Et on est haut pourtant. Ça m'intrigue ça. Ah, on va atterrir sur l'étoile de tout à l'heure peut-être. Waouh. Ah bah oui, bah tu m'as vu, bah oui, je me doute bien. On s'en prend plein la gueule. Lâche-moi. Hop. Tiens, bouffe. C'est tout ce que t'as dans le froc. Merci, Ganilou. C'est vrai que c'est pas toi qui est méga utile, mon très cher Nick. Je croyais plus avide d'action que cela. Ok. Cherchez donc une tour, il y en a une là et une là-bas. D'accord. Parfait. Si je devais tendre une embuscade. D'accord, il y avait moyen de descendre et de monter par ici. Là, il y avait un gros coffre. Et la tour que je recherche est là-bas. On va appeler le truc. Attention, c'est dangereux par ici. Ah putain, merci. Effectivement, c'est dangereux. Salut. Nick. Oh merde. Oh merde, on a laissé Kanigou. Bon, ok. Casse-toi Kanigou, casse-toi. Y'a une mine. Putain. Vite, cassez-vous le camion. Non. Bon, hop. Oh, non, ça c'est un passage, c'est rien. C'est rien du tout. Non, moi, j'aimerais retrouver. Là où j'étais. Et rejoindre les grandes tours. Apparemment, il y a des gens dans le coin. Là, voilà. Et il y a de la lumière dedans. Donc, celle-là, normalement. On peut y rentrer. Merde, il y avait un mur. Putain.
Alors, ouais, y a clairement de la lumière dedans. Y a des voitures qui bougent aussi. Vous voyez, la zone m'inquiète. Là, la zone m'inquiète. Franchement. Trinity Tower. Ah, la fameuse tower dont on entendait parler. Ok. Oula. Personne au rez-de-chaussée, apparemment. C'est quoi ça? Encore un humain pour sauver Rex. Il est faible. Sauver Rex. Qui est Rex? Rideau. D'accord. Enquêter sur l'appel radio. Ah, donc on va écouter l'appel radio. Il en reste plus. On va écouter l'appel radio. Allez, SOS, Mayday. Je ne sais pas trop ce qu'on est censé dire à la radio. Je m'appelle Rex Goodman. D'accord. Je suis retenu prisonnier au sommet de Trinity Tower. Je pense que les super mutants ont l'intention de me manger incessamment sous peu. Incessamment je sous passe peu. Le message en mode répétition. Oh merde, je dois couper. J'entends un super mutant qui arrive. Ah, oh, il est génial. SOS, Mayday. Je ne sais pas trop ce qu'on est censé dire à la radio. Je m'appelle Rex Goodman et je suis. Ok. Allons-y. Hop, un plateau repas. Vous collectionnez bien par où ça passe. Les cochonneries maintenant. Là aussi. Hop. Sauvegarde rapide au cas où. Donc là, il n'y a rien. C'est marrant, j'aurais juré qu'il y avait un truc pourtant. Donc, faut prendre l'ascenseur, chers amis. Eh bien, écoutez, on y va. L'ascenseur qui est à l'étage inférieur. Mais qui est fonctionnel. Voilà, il y en a un qui est fonctionnel sur les deux. Eh ben on y va. Hop là, allez venez les gens. Non? Tant pis. Tu tues seulement les plus faibles, ça nous rend plus forts. S'ils peuvent pas tuer un petit humain, ils valent moins que Fist. Rien. Intéressant, il s'appelle Fist. C'est... Enfin, vous voyez la blague ou pas? Vous voyez la blague sur ce que je vais... Pas comme humain. Oui. C'est quoi ce bruit? Ouh. J'en ai passé des choses là-dedans. Pas de bagarre aujourd'hui. Apparemment, ils tuent même leur pote. C'était sûrement rien. C'est l'heure de mourir. Je te tiens. J'entends quelque chose. C'est dans ta tête. Super mutant. C'est quoi ça? C'est dans vos têtes. Tu veux vraiment que ce Bouf. Soit la dernière gueule que tu vois? Tu te vas bien, presque aussi bien qu'un super. Il me plaît, Fist, hein. Il parle mal, il est. Ah, oh, c'est dommage, je vais m'en vouloir de le tuer. Hop. Franchement, je vais m'en vouloir de le tuer. Le ménage est fait. Le ménage est fait. Merci. Il a des super répliques aussi, Nick, quand même. Hein. Il fait pas grand chose en combat, mais il a des super répliques. Tiens, d'ailleurs, Nick. Échangez. Ce que vous voulez. J'aimerais que tu équipes une autre arme. Parce que t'en as pas d'équipée là. Donc j'aimerais que tu équipes. Pas un fusil de combat, c'est un fusil à pompe. Ça. Vas-y, voilà, là tu me plais là. Capsule, cachette de capsule. Parfait. Les mutants ont un sens de l'hospitalité particulier. Oui, je confirme, vraiment très particulier comme sens de l'hospitalité, pardon. Hop. Pousse-toi, merci. Ça c'est la cafétéria.
Oh. On réussira bien à faire quelque chose du Commonwealth. Mais oui, t'inquiète pas, tu te poses toujours la question. Hein. Alors c'est de là qu'on vient, je crois. Udada, pas avant, j'aurais préféré ne pas le prendre. Ah, des cartouches, ça je préfère prendre. Ventilateur, je prends. Alors là, il y a un trou. Ah ah. Hop. Il y a trop de gens de nos jours qui ne voient que la violence comme solution à leurs problèmes. Il suffit de regarder autour de nous pour voir où ça nous a mené. Porte déverrouillée, avancée. Voilà. C'est bon. Oh oh. J'ai bien fait de descendre. Terminal, déverrouillé Novi. C'est sans doute pour déverrouiller la porte en fait. Army. Cold. Bear. Ok. Ça commence super mal. Hop, d'accord. Pure. Ally. Wave. Eh, je l'ai eu là. Hop. Alors. Ok. Ok aussi. On serait bien de commencer à supprimer les trucs de l'autre côté de l'autre page en fait. Ok. Bah, il y est là, je le rêve pas. Bah c'est que Urn en fait. Non, c'est parce qu'il reste plus que Urn en fait. Suis. Donc c'est Urn, oui, effectivement. Commande du coffre-fort, commande de la porte. Ah bah attendez, il y a un coffre-fort. Une boîte à outils. Ah oui, il y a un coffre-fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Pagne de super... mutant. Oh, c'est pas ce que je voulais prendre, mais bon. J'ai un pagne. Parfait. Génial. Ok, on y va. Hop. La vie d'un détective n'a rien de facile, mais... Tu vas arrêter de te plaindre. Banane. Hop. Ah oui, ça menait là en fait, tout simplement. D'accord. Ok, bon. L'étage... Y'a quelqu'un ? Supérieur. C'est quoi ce bruit ? C'est ton cul ce bruit. Il y a quelque chose de toi. Joue avec moi. Quelqu'un approche. Ma tête. Boum. Maintenant. Oula. Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Ah, 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 ah. Putain, mais il mange du chien. Hop. Bon, on remonte. Salut. Montez. Bah oui, c'est bien que je monte. Quel con. Oh là là. Bon. Bon. Ça se passe plutôt bien, hein. Ça se passe plutôt bien. Quoi? Qui est là? Moi. C'est quoi ça? On se réveille. Hein? Un bruit? C'était quoi ça? Je t'entends. Hé! Hey, y'a quelqu'un? À couvert! J'ai touché personne. Quoi? J'entends quelque chose. Dans votre tête. Oh, la chute sera longue et douloureuse. L'atterrissage douloureux plutôt, on va dire. Oh, non.
Ok. Ils sont juste là, mais on me permet. Hein. D'accord, donc le poste de radio était là. Avancer. Est-ce qu'il serait planqué derrière? Génial. Non. Parfait. Pas un bruit. Bon, allons-y. Bon, où t'as filé, hein? On va te trouver. Lâche-moi. Ils n'embêteront plus personne maintenant. Ok. Allez Kanigo, on continue. T'inquiète pas. Là on a rien. C'est un... Raté. J'ai cru entendre un nouveau hélicoptère. Souffre et saigne. Pas une fille, hein. Désolé, c'était nul. C'était vraiment nul. Tant que c'est vous qui le portez. On va porter ma cuillère en bois. Ah non, stock est tombé, j'imagine. T'apprendras, tiens, à me donner une critique de ce genre. Hop, fist, où tu es? Les humains sont trop stupides et faibles. Ouais, bah jusque-là, j'en ai buté un paquet de super mutants stupides et faibles. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Boîte d'épingle à cheveux, tant mieux. Bon, progresse. Yo, paraît que c'est pas la forme. Je pensais que vous aviez plus de vie. Bon bah dommage, tu sais que je t'aimais bien, fist. Hein. Franchement, il y avait un minigun, le salaud. Non, sérieusement, Oh, armure lourde de super mutant. Une sacrée vue. Oh la vache. C'est comme ça. Ils sont là. Ça met dans l'ambiance, hein, l'armure lourde. Oh la vache, elle pèse 12. Tu me diras, je suis déjà. Bien rempli, hein. À quelque part. Alors. Ah c'est ça la cellule. Mais non, y a un mutant avec lui. Oh, par le barde immortel. Attendez, revenez. Ne me laissez pas ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Vite, sortez-nous de là. Autres frères viendront bientôt. Eux savent que Tour est attaqué. D'accord, vous deux. Un super mutant? C'est un piège. Ce n'est pas un piège. C'est un prisonnier, lui aussi. Je vous assure, il est doux comme un agneau. Un agneau légèrement psychotique et bodybuildé, d'accord. Mais il n'est pas dangereux, je vous le promets. Strong, écrabouille pas toi si tu sauves Strong et Rex. Vous voyez ? Pourquoi est-il en cage ? Qu'est-ce qu'il fait dans une cage, ce super mutant ? Il a défié son chef en prenant ma défense. J'ai donné un nouveau sens à sa vie, voyez-vous ? Je suis venu ici pour donner un peu de culture à ces pauvres créatures ignorantes. J'ai commencé par Macbeth. Je crois qu'ils ont tous trouvé ça très drôle. Tous sauf Strong. Strong apprend secret de pouvoir humain avec Macbeth. Lait de tendresse humaine. Oula. Strong va trouver lait. Strong va boire lait. Strong va gagner pouvoir secret des humains. Oh, mais oui, c'est ça. Quand ils ont jugé qu'ils s'étaient suffisamment moqués de moi, ils m'ont jeté là-dedans. C'est dégueulasse. Ce qu'ils ignoraient, vous avez compris, le lait qui va chercher à choper. Je parle pas du mamelou. Ils savent, c'est appât pour attirer autre humain.
Quoi ? Tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt ? Strong pensait que tu savais. Vous voyez un peu ce que je dois endurer ici ? Ah, j'ai promis à Strong que je l'aiderais à trouver le lait de la tendresse humaine si on sortait d'ici vivant. Oh putain. Je vous libère parce que vous êtes trop débile. Je vous fais sortir. Faites vite. Vous êtes trop débile, je vous fais sortir. Suivez Strong. Il connaît c'est le chemin pour sortir rapidement de cette maudite tour. Ah, attendez, vous avez de quoi... Wow ! Parfait. Oh, encore des dégâts critiques, c'est chiant. En se battant contre frères que contre humains. Quoi ? Je suis toi à l'air libre. Allons-y. Où il est ? Mais où est-ce qu'il est, machin ? Ça me dit pas qu'il est mort ? Sale petit homme ! Bon, on y va. Ah non, ils sont là. Venez les mecs. Non, vous voulez pas ? Bon bah tant pis, on y va. Toute cette histoire de lait de la tendresse humaine vient de Macbeth. Oui, je... Enfin... Je pensais pouvoir civiliser ces sauvages en leur déclamant ce chef-d'œuvre. Strong, ici présent, pense que c'est le secret des pouvoirs de l'humanité. Alors il veut que je l'aide à le trouver. T'as déjà peur ? Je devais nous donner du courage en citant le barde immortel. Bonne nuit. Bonne nuit. Si tu la tristesse de nos adieux. Nos doutes sont des traîtres. Ils nous font perdre une victoire que nous pourrions souvent gagner par la crainte d'une tentative. Si jeune. Hop. Jamais dit-on ne vit longtemps. Les enfers restés vides déchaînent sur nos pas tous leurs démons avides. Acceptons avec résignation ces cruelles adversités. Car les sages disent que c'est le meilleur parti. Il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté ? On va tous mourir, hein ? Qui est là ? Attention, chef ! Frères savent cogner fort aussi. C'est l'heure de mourir. Hors de portée ! La prochaine fois, tu te défendras peut-être avec une arme à feu digne de ce nom. On progresse. Allez, on descend. Où est-ce qu'il est, l'abruti ? L'abruti ? Rex. On y va. Ah non, ça le tente pas, hein. Hop. Marrant ça. On y va. Ah, il a pop. Je m'en doutais un petit peu. Toi, joue avec moi. Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Attrape. Ah non, c'est bon. Mais il n'y arrivera pas, il vous butera pas, ils sont trop loin. Eux, par contre, ils ont des chances. Je vois pas. Tu cognes comme un cafard. Saigne. Saigne et crève. J'en ai plus de grenades. Oh merde. Ah bah, il était bon à lancer de grenades celui-là. Comme peureux, peur de Strong. Cours comme peureux, peur de Strong. Ah, c'était là, d'accord, ok, je viens de comprendre. Oh, j'avais pas vu le bâtiment à côté. Est-ce que je peux être aveugle ? C'était sûrement rien. Seul petit bruit. Ça ne me dit pas qu'ils ont repop à l'intérieur aussi. Mais toutes mes munitions vont y passer. Avance. Putain, mais avance, Strong. Rex. Mes oreilles me jouent encore des tours. J'entends quelque chose. Eh non, dans ta tête. Allez-y.
Parlez à Rex Goodman. Rex. Merci de nous avoir sauvés. Bon. On peut dire que c'était moins une. C'était rien. De rien. Crétin. J'adore sauver des crétins en détresse. Cette petite pique est entièrement méritée. J'ai été stupide, c'est vrai. En tout cas, je vous suis extrêmement reconnaissant. J'espère bien. J'aimerais vous donner ceci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense qu'il est grand temps que je quitte définitivement cet endroit maudit. Je retourne à WRVR pour reprendre ma carrière à la radio. Bah écoute, fais comme tu le sens. Mon ami. Salut, Strong. Cherche l'aide tendresse humaine avec Strong. Pourquoi trouver ce lait ? Pourquoi tu veux trouver ce lait de la tendresse humaine, au fait ? Lait est secret des humains. Macbeth dit que lait rend humain fort. Plus fort que super mutant. Strong trouve lait. Boit lait. Rend super mutant plus fort qu'humain. Échanger. Il faut qu'on échange de l'équipement. Strong utilise marteau, fusil de chasse et laser. Pas autre arme ou armure. Ça pour humain faible. Ah bon? En es-tu sûr? Ah merde, j'ai tout donné niveau armure. J'ai tout donné. Bah, je vais te donner un truc moisi, alors est-ce que j'en ai un? Fusil plasma. Ah, je le garderai bien pourtant celui-là. Tiens, je te donne une planche. Salut. Ok. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, viriser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom, vous trouverez le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Et...